Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood, skin and bone. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Salut Reynald, donc en fait tu es au milieu du groupe là depuis deux jours là. En fait, à quoi tu sers? Ouais. Sinon, ben là, du coup, qu'est-ce que tu fais avec les brandies Snaps? J'ai ce que je peux. Tu fais ce que tu veux. D'accord. Bon, ben, c'est encourageant. Voilà, c'est encourageant, ouais, mais. I picked my shovel and walked through the mine. I loaded 16. C'est quoi ton meilleur souvenir avec les brandies Snaps Factory? Quand ils sont partis. Et le pire, souvenir, quand ils sont arrivés. Quand ils sont arrivés, c'est ça. Ok, bon, ben voilà, ça résume un petit peu l'histoire du séjour chez Reynald. En deux mots, tu peux nous expliquer ce que ça représente pour toi, le guacamole? Oui. Le guacamole est une sauce à base d'avocat, ouais. Que j'aime beaucoup les avocats. Sinon, c'est aussi le nom qu'on donne à certains styles de musique, hein, avec lesquels on joue avec le groupe Brandy Snaps Factory. C'est la base de la musique moderne. Tu as eu le blues, tu as eu le rock and roll, et puis maintenant tu as tout le reste, quoi. Donc c'est les racines. Qu'est-ce que je te dis? Les racines d'avocat. Les racines d'avocat, voilà. Okay, donc ça pousse dans le sol, quoi. Okay, le rock'n'roll pousse dans le sol. Je pense que c'est ça. En gros, c'est ça. Des fois, ça pousse dans le là aussi. Ça pousse dans le Ok, c'est intéressant. On va voir ce qu'en pense notre ami Benjamin. Ouais. C'est quoi pour toi le guacamole? Le guacamole, il n'y a pas de règles, tu vois. Il n'y a pas de règles. Tu t'accordes pas, il n'y a pas de tempo, il n'y a pas de structure. C'est ça le rock. Ouais, mais ouais, le guacamole, il n'y a pas une nuance entre le rock et le guacamole quand même. Et le guacamole, c'est quand t'es dans le vrai. Le rock'n'roll, c'est trop propre. Alors que le guacamole, c'est pour les vrais. Nous, on est dans le guacamole. Voilà, on est dans le guacamole. Ouais, ouais. If you see me coming, better step aside. A lot of men didn't... Voilà, c'est bien, on entend l'enregistrement en cours. Ouais. C'est toi qui chante là? C'est moi qui chante. Ouais, t'es content de toi? Je joue de la guitare. Ouais. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu as été recruté par les Brandy Snaps Factory? Bah écoute, je cherchais un groupe et en fait c'est moi qui les ai recrutés, quoi. Je trouvais un basse-batterie qui jouait depuis quelques années ensemble. Bon, c'est le seul avantage, hein, c'est qu'ils se connaissaient bien. Sinon c'est pas terrible, mais bon, maintenant je fais avec. Et puis si tu veux, j'ai pu les faire progresser pour arriver à peu près à mon niveau, quoi. Donc attends, je crois que j'ai plus de batterie là sur la caméra. De mieux en mieux, quoi. Voilà. Ok, bon ben merci. Alors ça fait longtemps que tu as le groupe Brandy Snaps Factory? Ben en fait j'ai eu l'idée de monter ce groupe il y a 6 ans à peu près. Et je suis content parce qu'au début ils y croyaient pas les autres. Et bon, moi j'y ai toujours cru. Et là je suis vraiment, vraiment content. Okay. Toujours cru en moi. Ok. C'est grâce à moi que tout existe. En fait en gros, si j'étais pas arrivé au monde, ben le groupe non plus, quoi. La chanson que Bruno est en train de chanter, il me l'a dédiée à moi, il a composé pour moi. Là, tu vois, je suis en train de superviser la prise de guitare, parce que Bruno a besoin de vraiment être voilà, surveillé, quoi, de près, de très près. Ouais, c'est la garderie, quoi. Moyen quand même. Moyen.
On y est là, on se croirait dans les années bissextiles. T'es content de ton poulet là? Ah ouais, ouais, là, je suis impressionné. Je crois que tu vas faire quelque chose. On se croirait chez Sun Record. Ouais, il y a des nuages un peu quand même. Ouais, ouais, c'est un peu nuage. Peu nuage. Il était bon celui-là. Ouais, il était bon hein, sinon. Tu vois, un peu. Il pousse. Ouais, hein, ça il... pousse. Da, 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 da. Ah ouais. Moi, je pense que moi, j'ai mis beaucoup plus de. Moi, j'ai mis plus de trucs. De un peu, bon. L'album, c'est matérialisé tout ce qu'on préfère de voilà durant nos lives. En fait, on a fait un best-of de nos moments préférés. Voilà, les six morceaux préférés de ce qu'on a l'habitude de jouer en live. Je pensais pas qu'on arriverait à un tel niveau de perfection. Voilà, on fait quelque chose. On dit qu'il faut pas réaliser ses fantasmes parce qu'après la vie n'a plus de sens. Bah, voilà, c'est peut-être les dernières existences que je vis là, dans ce bon monde de musique, de décadence, de guacamole. Mais en tout cas, ça aura donné du sens à ma carrière. C'était délicat, ouais. Ça d'aller bousculer les légendes. Ouais. C'est, ça fait un pincement au cœur d'aller bousculer toutes ces légendes. Qu'on admirait quoi. Ouais. Avant, les guitaristes comme Jimmy Hendrix, ouais, Jimmy Hendrix, tout ça. Ouais. Des chanteurs comme Patrick Juvé. Et Dick Rivers qu'on remercie. Ah ouais. Merci Dick. Esprit de Dick. Non, esprit de Dick, je pense que tu étais là avec nous pendant ces deux jours. On t'a invoqué à de nombreuses ruptures. Aux ruptures. Really now until no light. Red umbrella, roller coaster.